Précédemment, dans le dernier épisode, dans une quête à la recherche d'une pièce perdue, la bande à Picsou découvre une étrange sphère noire, mais quelle est cette chose? En la touchant, nos valeureux guerriers ont disparu sans laisser aucune trace. Que sont-ils devenus? Où sont-ils allés? Sont-ils encore en vie? Doum, doum, doum. Qu'est-ce que je fais dans l'eau? Mais qui est avec moi? Mais ça, c'est mon Tila, ça, c'est Tila Coty. Vite, Tila Coty. Et ça, c'est... Attendez. Mais oui, c'est ma gerboa. Mais viens ici, il faut que je la sauve. Ah, Tila Coty! Faut que je sauve ma gerboa. Mais Tila Coty, tu m'empêches de sauver la gerboa. Viens ici. Voilà. Attends. Vite, vite, faut que je rejoigne la rive. Je sais pas ce qu'il peut y avoir dans ces eaux. Je les connais pas du tout. Mais où suis-je? Mais je reconnais pas ces terres. Je sais... Mais où suis-je? Oh non, on se fait attaquer. Non, 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 non. Tu me laisses tranquille, toi. Tu me laisses, ma. S'il vous plaît. Oh là là, mais je reconnais pas du tout. Je sais pas où je suis... Vilges, Roukmin, Titi, est-ce que vous êtes là? Max? Où est Maxou? Est-ce que j'ai mes affaires? Qu'est-ce que j'ai sur moi? Mais je n'ai plus rien. Je n'ai rien, j'ai juste ma pioche. Ma pioche, une hache, mon truc, un petit peu de viande. J'ai... Mon chibi est toujours là. J'ai toujours... J'ai mon Tila et ma gerboa, mais je n'ai plus rien d'autre. Je comprends pas, je sais pas où on est, Il faut vraiment que je trouve une solution pour les chercher. Peut-être qu'ils sont de l'autre côté là-bas. Je sais même pas où je suis. Franchement, je reconnais pas du tout une aussi grosse étendue d'eau. Bah déjà, clairement, nous sommes pas sur Scorch, hein, ça c'est sûr. On n'est pas non plus sur Altemia. Je reconnais pas les terres. Je reconnais pas l'ambiance de cette map, de ces terres. Je sais pas où je suis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah des troodons. Mais imaginez, il aurait arrivé quelque chose. Imaginez, ils se sont fait attaquer. On ne sait pas ce qui peut être sur ces terres. Un dinosaure, une énorme créature. Imaginez, ils sont morts. Non, je veux pas croire qu'ils sont morts. Je veux pas penser qu'ils sont morts, c'est pas possible. C'est juste pas possible qu'ils soient morts. Je veux les retrouver. Je veux vraiment les retrouver. Je sais pas. Et du coup, bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Mag, toute seule. Et on se retrouve sur... Je sais pas, je vous laisserai le dire dans les commentaires où je suis. Je suis là tout seul, donc là je suis un petit peu hors RP, hein, bien entendu. Donc je vais refaire un petit peu cet épisode plus ou moins RP. C'est juste, vous comprenez bien, pour suivre notre petite histoire, notre petite aventure. Je vous laisse donc poursuivre cet épisode et je vous remercie beaucoup pour votre visionnage. Vilges, sentence. Max, est-ce qu'il y a quelqu'un? Roukmin, est-ce que vous êtes là? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais pas. Vilges! Vilou! T'es où mon Vilou? Non, j'ai beau appeler, j'ai beau m'égosiller, il n'y a personne dans cette Redwood. Il va vraiment falloir que j'explore, mais là, c'est vraiment très dangereux. Je me suis déjà fait voler ma viande, donc je n'ai plus rien pour manger. Oh, un panda. Ok, bon, tout va bien. J'ai vraiment très peur. Il faut vraiment que je me pose et que je me trouve un endroit pour pouvoir me protéger. Je vais essayer de me chercher ça, là, déjà, un bel endroit, un endroit sympa, où j'aurai de l'eau, où j'aurai de quoi me poser. Et ça a l'air vraiment immense, ici. Regardez, il y a plein d'autres îles. Voilà, il y a un grand lac à traverser, mais je suis pas capable encore d'aller sur l'autre côté, là-bas. Je suis coincée ici. Je n'ai que mon Tila Coléo et je le sens pas traverser ce grand lac tout seul. Je sais pas s'il y a quelqu'un avec moi sur ce côté de la rive, j'en ai aucune idée. Je sais pas s'il y a quelqu'un là-bas, je ne sais même pas s'ils sont sur cette map avec moi, si je les retrouverai ici, je ne sais pas. Mais vraiment, ma mission, ça va être de les retrouver. Mais la priorité absolue, ça va être
bah, de se faire mon premier camp, de se poser et bien sûr de me protéger parce que là, c'est extrêmement dangereux. Et j'ai très très peur qu'il m'arrive quelque chose. Certes, pour l'instant, il n'y a que des Galliminus, mais on connaît tous, hein, on sait très bien ce qu'il y a dans les Redwood. On sait très bien que c'est très dangereux. Et bah, malheureusement, je suis en plein dedans. Je vais vraiment me chercher un petit rivière, un petit lit. Il doit bien y avoir ça ici. Je ne me sens pas de rester au bord de l'eau. Je ne sais pas qui il peut y avoir dans ce monde. Donc, je n'ai pas envie d'être à la vue de tout le monde. Je veux être cachée un petit peu au fond des bois. Je pourrais être vraiment un peu plus tranquille et protégée pour vraiment me... Voilà. Je pense que se mettre au bord de plage, ça peut être très dangereux. Sans parler des mouettes qui peuvent venir nous emmerder, mais ça c'est un autre sujet, hein, c'est un autre débat, on en reparlera ultérieurement, mais vous connaissez, hein, vous connaissez. Bref, bah, je vais chercher un petit endroit, oh là, un nitrodon, nom de Dieu, je sais pas où qu'on est. Alors, il y a des grands arbres, je pense qu'on pourra aussi éventuellement s'installer dans les arbres, je ne sais pas. Je cherche de l'eau. Alors attendez, qu'est-ce que... Alors là, ça fait un espèce de... Ouais, mais vous voyez, c'est de l'eau de mer. Oh, puis il y a un petit peu trop de choses pas gentilles. Je vais essayer de m'enfoncer. Ah, regardez, un cours d'eau. Je pense qu'on va le remonter. C'est très joli. On va le remonter et on va peut-être s'installer un petit peu plus haut. Plus haut. Plus haut, ça n'a rien à voir. On va aller là-bas. On va voir. Je vais vraiment m'installer au bord de l'eau. Ça peut être vraiment sympa. Regardez là-bas en face. Ça peut être vraiment très joli, hein. On va aller voir ça. Pour une première, regardez, il y a pas mal de métal. Ouais, vraiment sympa. Vraiment sympa. Là, regardez. Là, on serait bien. Hein. On a l'eau. On n'est pas non plus... J'aime assez cet endroit. Je pense qu'on va se poser là. On va aller voir un petit peu au-dessus grâce au Tilacoléo. Ah ouais, c'est sympa là, l'eau. Grâce au Tilacoléo, on va pouvoir grimper. On va aller voir... Ah bah grimpe. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il y a par là? Est-ce que c'est plus joli ou pas? Ouais, non, je préfère vraiment en bas. Il y a un petit panda, je sais pas si vous le voyez. C'est plus appréciable. Ouais, là, c'est très joli, ce bleu lagon, là. Franchement... Voilà. Houston, nous avons un problème. Push, nous avons un problème. Un problème qui s'appelle Crash. Le jeu n'a pas aimé que je plonge au milieu de l'eau. Bon, bah, je vais relancer. J'espère ne pas mourir, vu que je suis dans l'eau. Bon, me revoilà. Je suis en train de décéder. Ah bah, super. Super. Non, mais super. Putain. Comment voulez-vous que je fasse, là? Je sais pas, j'avais pas mis de lit, rien du tout, ça va être un enfer pour retourner à mon stuff, ça va être très compliqué. J'entends un Tila là en plus à côté se battre, non un Terror Bird. Alors, oh putain j'ai plus rien, j'ai pas de pierre tombale et je suis où là? Attendez, ma mort elle était où? Oh putain ma mort elle était par là-bas je crois. Hein. Je sais pas, est-ce qu'on voit les morts? Death, elle est là. Oh, c'est tellement loin. Bah ben, on va essayer de courir. Parce que là, il y a déjà des Achatina. Ouais, ça, super. Je veux mon stuff. Putain. Mais je suis pas morte de mort. Je suis morte de crash. Ça compte pas. Oh, un castor, bonjour. Non, ça compte pas, ça. Je vais essayer de courir 2400 mètres. J'y arriverai jamais, je crois. On va essayer. J'ai rien pour me taper. Tout mon stuff est là-bas. Mon Tila et tout. Je sais pas si... Non, ils étaient pas en passif. Ils étaient en neutre. Donc, je pense que ça va le faire. Ouais. Comment on explique ça niveau RP? Bah, on peut dire que bah, j'ai fait une chute dans la cascade et je suis morte. Je sais pas. C'est les magiciens Wildcard qui m'ont fait des pops. Du coup, bah, je vais essayer d'avancer. Si tout se passe bien, bah, je vous record pas, mais si jamais il y a des petits soucis, et bah, on se reprendra. Mais là, pour l'instant... Ah non, pour l'instant, ça va pas. Non, on va
tous mourir! On va tous mourir! Au secours! Il tape plus que moi, j'ai que mes petits points! Je vais me tamed avant qu'il soit mort! Ça va que j'ai mon perso avec beaucoup de vie, oui et non, parce que je suis déjà en train de décéder. Mais putain de ta mère! Mais non! Non, j'y arriverai jamais! Oh non, je suis... C'est pas du tout ça que j'avais prévu. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Ah putain, des pégots. J'ai rien à voler à part mon âme. Cassez-vous. Last Dead. Non, mais je veux l'autre Last Dead. Elle est où l'autre Last Dead? Là, je veux aller ici. Laissez-moi aller... Mais mettez-moi ce putain... Ah oui, j'ai pas de tribe. Donc du coup, ils veulent pas me mettre le point. Ok, c'est là-bas. Ouais, c'est pas là-bas. 900 mètres, ça devrait le faire. Est-ce qu'on peut pas mettre... Attendez. Ah bah attendez, hop, on fait une tribe. Voilà, comme ça. Mais laissez-moi les pégos mastuc. J'ai rien à voler. Même pas mon slip. Laissez-moi mon slip et mon soutif, nom de Dieu. Vous allez pas me foutre à poil dans la Redwood. Je n'ai rien. J'ai même pas une baie. J'ai rien. Alors foutez-moi la paix. Lâchez-moi, nom de Dieu. Ouais, oui, là c'était le petit truc. Ok. Donc on n'est pas loin. Maintenant, vais-je y arriver sans crever? Ah! Non, au secours! Non, tu me laisses, toi. Tu me laisses le oiseau de tes morts, là. Non, aïeux! Non, aïeux! Ah! Mais! Houston, Mayday! Nous avons toute la forêt au cul! Mayday, je vais essayer d'aller dans l'eau. Peut-être que si je vais dans l'eau, il va me foutre la paix. J'en sais rien, je sais foutre rien. Non, il nage! Il nage! Et je me noie parce que j'ai plus d'énergie. Non, c'est bon, il s'est cassé. Mais moi, je me suis noyé. Alors, attendez, on souffle un peu. Il revient? Non, il revient pas. Et là, bam! Un alligator. Non. Salut le pteranodon, tu vas bien? Ouais, moi je vais là-bas. Hein. Au revoir. Par où je passe? Par là? Attendez. Dans les bosquets. Ah ouais, mais j'étais montée. Attendez, est-ce qu'on va y arriver sans Tilacoléo à remonter là-bas? Je sais pas du tout, là. Je sais pas du tout. Vous voyez, même en partant avec du stuff, hein, même en partant avec quelques trucs, on arrive à être dans la merde. Non, bah par là, c'est non. Ouais. Il n'y a pas de l'eau là, on peut pas... Oui, l'eau est là. Ok, on longe l'eau. On avance. Ah, puis mon stuff doit être dans l'eau en plus. Et si c'est un endroit de crash, je suis pas dans la merde, dans la caca. Où sont les loulous? J'aimerais bien rappeler mon Tila. Déjà, il va peut-être m'aider. Est-ce que je vais arriver à rappeler le Tila? Oh putain, il y a un oiseau terreur. Si je fais siffler là... pas venir. Bon, l'oiseau terreur là. On va essayer d'aller par là. Voilà. Est-ce que j'irai pas dans l'eau? Parce que finalement, l'oiseau terreur me fait peur. Et je vais essayer de siffler. Mais 200 mètres, je sais pas s'il vient la bestiole. Hein. Non, regardez, il bouge pas là-bas. Il y a des chances que je me fasse bouffer par l'oiseau terreur avant. S'il vous plaît, Tilacoti, viens me sauver la vie avant que je meure, soit de fatigue noyée, soit bouffée par un piaf. S'il te plaît, pourquoi j'ai décidé d'aller dans la Redwood? Je ne sais pas. Bah, en fait, j'ai pas de piaf au cul. Je flippe pour absolument rien. Donc, voilà. Voilà. Hein, bon. Tilacoti, tutu. Et normalement, j'ai la petite gerboa aussi, hein. Et il veut pas venir, hein. Elle va mourir à force de siffler, hein. Est-ce qu'on peut mourir de sifflement? Je sais pas. Mais si c'est possible, je vais... Ah, ça y est, il est en Yellow Submarine. Qu'est-ce que tu fais dans l'eau? Mais tu sais pas nager, mais vous savez pas nager sans respirer, les gars. Oh, mon corps. Ah putain, oui, j'avais mon chibi et tout. Viens ici, gerbolinette. Viens ici. Attends. On prend le cadavre. Ah ouais, parce qu'en fait, je suis tombée sur un caillou, quoi. Voilà, on prend tout ça. Viens là, Tilacoti. Tilacotiti, s'il te plaît. Voilà, ok, super. Super. Voilà. Ok, bon, on va pas trop bouger, on va s'installer ici, hein, je crois. Après, il y a un autre endroit que j'aimais bien aussi, un petit peu dans le même style,
Mais je pense que là, on serait pas mal. En plus, il y a moyen d'avoir des grands arbres, peut-être pour plus tard se faire une base un peu... Ouais, dans les arbres, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais là, se faire un premier petit truc là, vous voyez, il y a du métal et tout. Parce que je sais qu'il y a un autre endroit, je l'ai vu, où il y a un peu plus de métal, en fait. Il y a du métal et du cristal juste au-dessus. Alors, est-ce que je le cherche? Allez, j'y vais, je coupe là. Enfin, je coupe là, non, je vous fais une petite coupure. Je vais chercher l'autre endroit et je vais vous le montrer. Voilà, je suis arrivée à l'autre endroit. L'autre endroit, je crois que c'est ici. Et vous voyez la falaise d'en face, là. Il y a du cristal et du métal. On va aller voir. C'est aussi joli. C'est un peu plus... moins paisible. Vous voyez, là-bas, ça fait un peu plus paisible. Ici, ça fait un peu plus... Plus voilà, quoi. Un peu plus mouvementé, on va dire. Mais c'est sympa aussi. J'hésite du coup entre ces deux endroits pour m'installer. Je vais aller vous montrer là-haut, ce qu'il y a là-haut. Alors si on arrive à grimper, hein, parce que j'ai galéré pour venir jusque-là, je vous jure. Et heureusement que j'ai un tilt là, quoi. Allez, allez, chouchou. Allez, grimpe. Allez, allez, serre les fesses. Voilà. Et en haut, là, du coup... Ah, j'ai l'impression que c'est pas ici. Si, si, c'est ici. Alors, on a un truc sur la gueule. Bon, j'ai pas envie de m'installer là en haut. Hein. J'ai vraiment envie de m'installer au bord de l'eau. Mais j'avais vu... Ouais, regardez, là, il y a un petit peu de cristal. Après, je sais pas. Est-ce que c'est plus joli ici ou là-bas? Franchement, le chemin, il était pas si long à faire pour venir. Donc, je sais pas. Eh bien écoutez, c'est ici que se termine cet épisode, ce début d'aventure sur cette nouvelle map. Mais quelle est-elle? Je vous attends en commentaire. Mais je pense que c'est pas très compliqué hein, si on suit un petit peu l'actualité de Ark. Vous savez très bien où je suis. Dans tous les cas, voilà. Pensez-vous que mes collègues sont aussi ici ou pas? Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de où ils peuvent être et de où je peux les trouver, je sais pas, sur la map ou pas du tout, au volcan, je ne sais pas. Enfin, dites-moi si vous avez des idées où je vais aller m'aventurer pour les chercher. En tout cas, là, je vais réfléchir à quel endroit je vais m'installer. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire celui que vous pensez le plus joli entre ces deux-là. Ça va forcément être un des deux là. Dans le prochain épisode, je serai déjà un petit peu installée. Il faut savoir que nous sommes toujours en cluster. Et sur cette map, nous n'aurons pas notre base principale. Donc, j'aurai pas un méga truc en base. Mais j'aurai une petite base de passage. On a pas mal de choses à découvrir et à faire. Mais voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Suspense. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie énormément d'avoir visionné. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, les petits likes et de vous abonner. On est bientôt aux 3000. Aux 3000. Je vous attends nombreux. En tout cas, je vous dis à bientôt. Des bisous. Tchuss. Et surtout, amusez-vous.